Décollage imminent pour la mission européenne Proxima. L'astronaute français Thomas Pesquet rejoint l'ISS, la Station spatiale internationale, à 400 km de la Terre. Il y restera plusieurs mois à mener une centaine d'expériences pour différentes agences et différents laboratoires internationaux. Une vingtaine de ces expériences est pilotée et suivie par le CADMOS au CNES de Toulouse, dont 7 spécialement développées par le CNES. Proxima, c'est une mission ESA, avec un astronaute européen. Donc à ce titre, on est impliqué pour toutes les expériences de physiologie européenne. L'astronaute européen en question, il est français. Donc traditionnellement, l'ESA passe un accord avec l'agence nationale pour offrir quelques heures astronautes pour que l'agence nationale puisse développer un programme spécifique national. Nous, en France, CNES, on a choisi de profiter de cette opportunité d'heures et de masse aussi associées pour mettre en avant un peu toute la... le savoir-faire français. Quand on a développé 7 expériences sur des thématiques différentes, sciences de la vie, éducation, sciences de la matière, on a travaillé avec des PME, des grosses entreprises, pour essayer de mettre à disposition de la communauté ISS des instruments innovants. Ces outils innovants, ce sont par exemple des lunettes de réalité virtuelle pour étudier l'adaptation du cerveau à la micro-pesanteur, des dispositifs pour étudier le comportement de fluides, ou encore un nouvel échographe téléopérable encore plus performant que celui déjà à bord de la station, et lui aussi 100% made in France. Jusqu'à présent, le cosmonaute, lui, faisait lui-même l'échographiste, donc il était sujet et échographiste, et donc pour obtenir des images de qualité, il devait acquérir un petit peu l'expérience qu'avait l'échographiste expert, et donc s'entraîner de façon optimale et de façon conséquente pour avoir la même qualité d'image. Donc l'idée, c'est de déporter l'échographiste au sol et de faire en sorte qu'il ait la main sur son échographe à distance. Et donc l'échographe écho qu'on va monter pour la mission de Thomas Pesquet va être téléopéré depuis le sol par un spécialiste. L'intérêt pour le spécialiste, c'est une autonomie d'exploration totale. C'est lui qui, depuis la Terre, actionne la tête rotative de l'échographe. Il voit, en direct, la zone examinée et il peut affiner en temps réel le positionnement de son instrument. Côté astronaute, zéro manipulation technique. Lui se contente de poser l'appareil sur la zone du corps choisi. Si on regarde cet échographe qui est utilisé à bord de la station, on a des applications terrestres qui peuvent découler de cette configuration-là. Et donc la Guyane est intéressée pour accueillir deux modèles de sol téléopérés pour pouvoir faire des échographies à distance dans des régions un petit peu éloignées de services médicaux. L'ISS est bien un laboratoire aux conditions exceptionnelles. Chaque expérience dans l'espace pose ainsi les bases de futures applications directement utiles à notre quotidien sur Terre.